déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Ça m'est arrivé. Vous avez déjà violé une femme? Non, je serais incapable de le faire. Parce que ça m'est pas venu à l'idée. Sa femme, c'est marrant. Le viol. La violer, non, pas de la violer, non. Certainement pas. D'avoir des pensées, faire des choses. Qui sont les violeurs d'après vous? Des détraqués, certainement. Des gens foulés. Uniquement? Je pense pas que quelqu'un d'équilibré pense à violer une femme. Des types en manque. Personnes qui sont pas normales. Vous avez déjà violé des femmes? Oui. Est-ce que tous les hommes sont des violeurs en puissance? C'est possible, c'est pas sûr. Et qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes. Leur tenue, je crois, vestimentaire. C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants pour qu'elles se font violer. Des pauvres filles, quoi, qui se sont laissées avoir. Hein. Celles qui veulent bien. Une femme qui est majeure n'est pas, ne peut pas être violée parce qu'elle a déjà. Elle a été mariée ou elle était avec un homme déjà. Une fois qu'elle était avec un homme, une fois, on peut c'est pas violée. Évident, c'est pas possible. Est-ce que les femmes qui se font violer l'ont provoqué d'après vous? Non. Non? Non, je pense pas. Mais vous disiez qu'elles étaient consentantes. Il arrive un moment où elles sont consentantes. Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée. Est-ce qu'on peut violer une femme sans son consentement? Ça doit pouvoir arriver, oui, parce qu'il doit y avoir une question de force physique qui doit jouer, je pense. On ne doit pas pouvoir les violer. On ne doit pas pouvoir les violer. On doit pouvoir les violer. Comment je vous dirais bien la technique pour les violer? On n'a qu'à les renverser. Ouais. C'est tout. C'est difficile de violer une femme quand elle ne veut pas. Hein? Ce sont des femmes qui en ont envie de toute façon. Certaines, peut-être ça leur fait peur. Quand une femme dit qu'elle s'est fait violer, est-ce que vous la croyez? Pas toujours. S'il y a toujours quelqu'un qui est consentant. Pas vraiment toujours, mais la réaction qui consiste à douter systématiquement de leur réponse, à mon avis, n'est pas fondée non plus, car le vrai viol existe bel et bien. Le viol à proprement parler, ça n'existe pas. Ou il faut vouloir, ou... Voilà, c'est tout. On dit une femme s'est trouvée seule, par conséquent, elle l'a cherchée. Comme s'il n'était pas naturel qu'une femme puisse se trouver seule quelque part, et qu'automatiquement, dans ces cas-là, elle soit obligée de risquer un viol, non? Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui. Sincèrement, oui. On dit qu'il y a un dixième ou un centième ou peut-être un millième des personnes, enfin des violeurs, qui sont pris parce que les femmes n'en parlent pas. Je pense que c'est beaucoup plus un problème de société et de rapport à la vie sexuelle et d'une certaine liberté de relations affectives, non?